Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le royaume des cieux est comparable au grain de sénévé qu'un homme prend et sème dans son champ. On parle ici donc de l'ensemencement, du fait de jeter une graine en terre, d'ensemencer, afin que la terre produise quelque chose. Qui est cet homme qui, sème par le champ? Quel est cet homme? Il y a plusieurs interprétations possibles. Ça peut être le Seigneur, bien sûr, qui sème dans le champ. Mais ça peut être aussi l'homme, nous, qui semons dans ce champ. Si nous considérons que l'homme qui sème dans ce champ est le Seigneur, nous comprenons que, effectivement, le Seigneur, par sa parole, a enseigné le royaume des cieux, et il a ainsi ensemencé les cœurs, les intelligences, les âmes de ceux qui l'écoutaient. Il a donc ensemencé largement pendant ces 3 années de la République, en prêchant devant les foules, en les enseignant. C'est donc le Seigneur qui est ce semeur et qui sème. Et c'est aussi l'homme qui peut être comparé à cet homme qui sème. En effet, lorsque nous participons à la messe, quand nous envoyons nos enfants au catéchisme, quand nous-mêmes nous travaillons telle ou telle question, commençons par le catéchisme des enfants, quand nous écoutons un sermon, quand nous écoutons une conférence, quand nous lisons un livre, nous nous ensemençons nous-mêmes. Nous sommes cet homme qui ensemence ce champ, puisque notre âme, n'est-ce pas, est ce champ dans lequel la parole de Dieu est ensemencée non seulement par le Seigneur lui-même, mais aussi par nous-mêmes, quand nous prenons le temps de nous occuper de notre âme. Et il y a évidemment de nombreuses manières de le faire. Assister à la messe, écouter un sermon, lire le catéchisme, lire ce petit livret de l'Avent dont je vous parlais. Tout cela, contribue à la nourriture de votre intelligence et de votre âme. Nous nous rendons compte, que, effectivement, cela semble anodin. C'est ce que dit le Seigneur ici. C'est la plus petite de toutes les semences. Effectivement, lire une page d'évangile, voire de lire une demi-page d'évangile par jour, cela semble un rien, cela semble tout à fait anodin, cela prend quelques minutes. Voilà pourquoi le Seigneur dit c'est une toute petite semence, c'est 3 fois rien. Mais quelles sont les conséquences de cela? Et les conséquences de cela, c'est qu'il y a une vraie transformation qui se produit, qui s'opère au fur et à mesure. Et comprendre cette transformation, nous comprenons cette transformation en écoutant la seconde parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain que prend une femme et qu'elle cache dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que le tout est levé. En effet, le levain est quelque chose de différent de la farine. C'est quelque chose, une espèce de pourriture, n'est-ce pas? Je ne suis pas boulanger, donc je ne ferai pas trop dire de bêtises, mais c'est quelque chose qui va faire qu'il y a une réaction chimique, qui va faire donc lever la farine, n'est-ce pas? Et donc ce levain, qui a priori est tout petit et ne se voit qu'à peine, cette petite chose va opérer une immense transformation. Voyez-vous, si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas comprendre ce que c'est que ce grain de sénévé. Nous ne pouvons pas comprendre ce que c'est que ce levain. Il faut la foi et il faut véritablement ensemencer, croire à cette nécessité de l'ensemencement. Il faut croire à la puissance de ce levain pour comprendre qu'il va se produire quelque chose. Est-ce que nous avons vraiment conscience que fréquenter les saints mystères, fréquenter les sacrements de la confession et de l'Eucharistie, fréquenter la messe, écouter un sermon,
tout cela n'a l'air de rien. Et on pourrait les mépriser, ne pas les utiliser, ne pas s'en servir, ne pas le faire. Et pourtant, cela a des conséquences que l'on ne peut même pas soupçonner. Ce sont des conséquences immenses. Le Seigneur nous dit, quand elle a poussé, c'est la plus grande de toutes les plantes potagères, elle devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent loger dans ses branches. Cela veut dire qu'il y a une vraie fécondité, une vraie transformation, quelque chose de spectaculaire qui a lieu, pourvu, mes chers frères, que nous acceptions, et bien d'ensemencer en prenant cette plus petite graine qui n'a l'air de rien. Il y a bien des choses, mes chers frères, qui n'ont l'air de rien. L'Eucharistie à laquelle vous assistez là, le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de pénitence, n'ont l'air de rien. Et pourtant, s'ils sont vécus avec foi, eh bien, ont des effets insoupçonnés. Évidemment, à 14 ans, évidemment, à 10 ans, on ne peut pas savoir cela. Mais ce qui est grave, c'est quand à 67 ans ou 80 ans, on n'a pas encore compris cela. Mais je ne suis pas sûr que tous ceux qui ont plus de 50 ans aient compris cela. Je ne suis pas sûr. Est-ce que nous faisons les choses par devoir, parce qu'il faut le faire, ou est-ce que nous faisons vraiment les choses parce que nous avons vraiment la foi, et que nous croyons vraiment dans la puissance de ce grain de sénévé, ou dans cette mesure de levain? Est-ce que nous avons véritablement compris de quoi il s'agit? Il faut nous interroger sur le degré de notre foi, puisque c'est ce regard de foi qui va nous faire prendre conscience, qui va nous permettre de comprendre que ce grain, si petit soit-il, est en fait une véritable bombe atomique. Car je ne crains pas de dire, l'Évangile est une bombe atomique. La puissance de l'Évangile est incroyable. Regardez la vie des saints, regardez les missionnaires, regardez les gens qui donnent leur vie jusqu'aux martyrs. Regardez les chrétiens d'Orient. Regardez les souffrances portées par les uns et par les autres. Regardez les enfants de Fatima. Je suis en train de lire les mémoires de Sœur Lucie, qui, au-delà des apparitions, raconte comment les trois enfants ont vécu entre eux des apparitions. Et comment est-ce possible que des enfants aient vécu cela? Bien, tout ça parce qu'ils avaient été touchés, que ce grain de sénévé était tombé et a produit ses fruits extrêmement rapidement. Alors ça me permet de vous dire aussi que les fruits que nous escomptons de cet ensemencement ne seront peut-être pas immédiats, parce que celui qui donne la croissance, c'est le Seigneur. Et alors, nous sommes parfois peut-être trop pressés. Mais si nous arrivons à 70 ou 80 ans, que nous n'avons pas encore compris un certain nombre de choses, il est temps de nous dépêcher. Il est temps d'aller chercher les réponses à nos questions. Il est temps de réfléchir à tout cela. Mais voyez-vous, le temps ne nous appartient pas. C'est le Seigneur qui donne la croissance à ce grain de sénévé. La seule chose qu'il nous demande, c'est de croire dans la puissance de ce grain de sénévé, de croire dans la puissance de ce levain, et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire germer, faire grandir ce grain de sénévé. Comme je vous l'ai déjà dit, si vous voulez booster votre vie spirituelle, si vous voulez enfin sortir de votre torpeur, parce que certains et beaucoup souffrent d'une certaine torpeur spirituelle, d'un certain engourdissement, ils ne voient pas comment sortir, je vous ai déjà dit d'aller faire par exemple une retraite. Et ça, mes bien chers frères, eh bien, planifiez-le. C'est évident qu'on ne peut pas quitter comme ça son chez-soi, son travail, ses enfants ou que sais-je en l'espace en 3 semaines. Bien sûr que non, c'est évident. Mais qu'est-ce qui vous empêche de le planifier pour l'année 2018? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Faites-le. Ensemencez. Prenez les moyens. Confessez-vous. Recevez l'Eucharistie. Mais faites. Et vous verrez
et vous verrez. Mais croyez, si vous croyez, alors vous verrez. Et vous verrez si vous faites, et vous ne ferez pas si vous ne croyez pas. Oui, mes chers frères, il faut prendre les moyens, il faut les prendre tout de suite, parce qu'on ne sait pas si demain, nous l'aurons ce demain, nous ne le savons pas. En sortant de l'église, nous pouvons être... Combien de fois est-ce que je pense à ce virage-là, juste devant le parvis, il suffit que quelqu'un loupe son virage, et ça y est, la voiture est sur le parking de la Libourg. Et un accident est vite arrivé. C'est pas compliqué de louper un virage. Ça arrive à tout le monde de rater un virage. Eh bien, ça peut arriver sur notre parvis. Oui, mais mes chers frères, il faut que nous en semencions vraiment avec la foi. Et alors nous verrons, eh bien, la croissance. Nous verrons la fécondité de ce grain de sel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.